Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube du Moineau Irritable et aujourd'hui je vous présente une vidéo un peu particulière. Ce n'est pas du jeu vidéo à proprement parler, mais j'ai reçu cette figurine de Demon Slayer, voilà, c'est celle du haut. C'est une édition pas très limitée, mais c'était en précommande et la voici. Je l'ai mis à côté de deux autres figurines, comme vous pouvez le voir, pour vraiment comparer la taille. Alors ici, c'est une toute petite, ici... C'est la nouvelle figurine, je vais vous la montrer aussi de dos. Voilà. Hop. Il y a le socle qui racle un peu, mais c'est pas très très grave. Ici, c'est une figurine de Assassin's Creed 3. Voilà, vous pouvez le voir. Attention le focus. Ouais, nickel. Et donc ici, on a Tanjiro. Tanjiro a une certaine partie de l'histoire, je dois bien l'avouer. C'est pas sa première tenue, c'est pas sa dernière, mais... voilà, je voulais juste vous la présenter. Elle est pas très très grande, elle a un petit défaut, je dois dire, c'est quelquefois la peinture est un peu, voilà, pas très détaillée comme ici, vous pouvez le voir. Et juste, c'est un petit détail, mais alors, si vous arrivez à l'apercevoir ici, sur sa chaussure, je vais essayer de vous zoomer ça. Voilà, il y a un petit endroit qui est cramé, c'est pas grand chose, d'ailleurs je sais pas si c'est vraiment cramé en soi, mais... disons que ça fait un petit peu défaut, donc voilà, sinon elle est hyper détaillée, hein, y a pas de souci là-dessus, vous pouvez voir, hop, même les petits détails sur les boucles d'oreilles. Il y a aussi ce petit truc sur le front là, hop, je sais pas exactement ce que c'est, mais bon, on va dire que c'est pas très très grave. Donc voilà, c'était pour vous présenter la petite figurine de Kimetsu no Yaiba, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu, si c'est le cas, mettez un pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner, moi je vous dis à très très vite. Ciao.